N'appé saluer tous les journalistes qui sont présents dans l'occasion point de presse matin. Tous les confrères concernant la presse locale, la presse internationale, qui étaient toujours là depuis la grosse mobilisation gouvernementale après l'assassinat qui fait sous le président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse. Alors, ce qui réunit nous matin, c'est la présentation officielle, personnalité qui composait. Comité, commission qui prend le travail pour préparer funérailles nationales pour le président de la République là, qui mourit dans la condition, nous songeons dans la nuit 6 pour le 7 juillet qui se passe là. Première précision qui est importante pour nous faire, il y a des frustrations bon côté amis la pression qui pourquoi ont occasion véritablement de poser des questions, échanger avec l'autorité. Mais nous comprenons que son enquête qui est sensible, il y a des éléments d'information autorité. À collecter, vérifier, revérifier. Donc, PMNA, toute équipe gouvernementale, la promet nous, prochain rendez-vous que nous avons gagné, la presse a gagné l'occasion de poser des questions. Parce que l'autorité travaille sans relâche, il y a des informations qu'elle n'est pas capable de mettre dehors tant qu'elle n'est pas vérifiée à 100%. Je profite de dire tout. France Exactus, le secrétaire d'État communication, n'a pas jamais fait aucun tweet concernant un éventuel budget qui en lien à préparatif pour funérailles président. Je remercie tous les amis la presse qui étaient relais et crime pour vérifier, parce que ni dans le moment ça, ni dans le temps passé, il y a grand pile de monde qui a fait des informations, qui a fait intoxication. Moi, accessible tout le temps, moi, invité, nous continuer toujours à vérifier avec moi. Je vais passer PM dans la parole qui pourra l'introduire et présenter jeune dis personnalité qui pourra le travail pour préparer funérailles chef l'État. Et il y a bien tout pour d'autres personnalités, d'autres institutions venir porter expertise pour que le président joigne une funéraire nationale qui digne d'un rôle comme président de la République. Merci France. Je salue tout le monde de la presse qui fait déplacement, vient couvrir l'événement ça. Avant nous aller plus loin, pour tout le monde qui a regardé nous là, nous avons demandé pour nous prendre une minute de recueillement en mémoire pour le président Jovenel Moïse. Merci. On connaît Jean, secrétaire d'État, ce deal-là. Nous tout attendons une conférence de presse côté que nous avons posé bonne question. Et nous comprenons ça. Nous tout dans le gouvernement, nous comprenons ça. Même temps, mais nous comprenons tout. Dans le cadre d'une enquête côté chef l'État qui a assassiné, qui donc c'est une enquête qui est très sensible. Nous-mêmes, dans le gouvernement, nous devons prendre pile précaution. Donc, c'est pour ça que je demande un petit patience. Dans un temps qui n'est pas supposé trop long, nous avons gagné pour nous bailler une conférence de presse accompagnée de CSPN, moi-même comme président, pour nous répondre à la question. Dans le moment où on a parlé là, le gouvernement a deux priorités, je nous toujours dit. Continuer à mener l'enquête là, pour permettre au président de la République là, madame Li, petite Li, Zamil, Aliel, nation, une justice. Et puis faire tout ça qui est possible
pour nous capables d'honorer la mémoire du président pendant qu'on a organisé Bon Jean funérailles boulées. Maintenant, l'objectif de ça, c'est pour venir présenter nous le comité qui va bien pour organiser funérailles nationales président Jovenel Moïse. Bien sûr, en accord avec Madame Président, avec la famille. C'est effectivement en accord avec Madame Président, famille, comité ça a créé par un arrêté qui a pour mission organiser dans le respect, dignité et solennité funéraire chef l'État pays. Sous instruction du Conseil municipal, le comité ça doit prendre toute disposition pour bien réaliser la mission. Institution et administration publique là doit bailler comité à toute collaboration nécessaire pour accomplir la mission ça. L'État doit mettre tout moyen en main comité ça pour faire travailler dans le respect de la République là. Jean secrétaire d'État se dit là gagné rumeur cap circuler. Mais vérité a, nous toujours essayé de bien communiquer avec nous presque chaque jour sur ce gouvernement ça a fait depuis après la mort tragique du président de la République. Là. Même on a institution, si nous voulons, qui fait partie du comité ça. Donc chaque fois, je cite non. Yo, il y a avancé. C'est ministre Affaires étrangères à Kit là, qui donc c'est moi-même. C'est ministre Défense là, il y a avancé. C'est ministre Kilti à Communication, qui bien sûr a avancé. C'est ministre Intérieur à Collectivité. Yo. Ministre avancé, merci. C'est bien sûr directeur cabinet président de la République là, que a demandé pour avancer. C'est secrétaire général présidence a demandé qui pour avancer. Qui n'est pas là, qui n'est pas là, merci. Non. C'est directeur général Mepana. On va demander qui peut avancer. Peuple haïtien, Frère Maxime, on va demander nous pour nous accompagner le comité ça. Participer dans la cérémonie hommage qu'a organisé dans la mémoire président. Il y a une façon pour l'aller dans l'honneur avec dignité. Je dis nous toutes merci. Merci pour patience nous. Je nous dis à nous avons gagné pour nous poser des questions dans une autre conférence de presse qui a fait incessamment. Merci un peu.